Frère Maxime, yo, depuis plusieurs années, chaque mois de mai toujours consacré comme d'habitude à maman nous, la très sainte Vierge Marie. Mois de mai 2024, ça qui peut arriver à, il est spécial pour peuple haïtien. Parce que pays a fini crasé, violence et division finit avec nous. C'est peut-être ça, plus que jamais, pendant mois de mai ça, nous prenons la guenou net nommé Maman Marie. Pendant 30 jours ça, nous mettons Maman Marie dans tout petit détail la vie nous. C'est un mois de mai spécial dans un pays spécial. Mais comme mon programme n'a pas bien, louange mariale, la messe, matinée de prière à la Vierge Marie, adoration et prière pour les malades, soirée de prière en l'honneur de la Vierge Marie. Pas oublier, en un mois de mai. Bonjour, toute petite maman Mario, chère internaute, bonjour. Bonjour, ma soeur. N'ap salue révérend Père Franzi, petit homme, petite maman Marie. N'ap salue Père Delva, collaborateur li. N'ap salue Sander, qui est déjà là, qui va le diriger, louange Mariala. N'ap salue Maestro Timo, qui est déjà là pour accompagner nous. N'ap salue Ananis, qui est dans la régie, Lino, qui est déjà là pour tout, pour faire toute mise en place, pour prier à commencer. Jodian, nous sommes en troisième jour, notre trentaine à la Vierge. M'a invité nous disposer nous pour nous capables de commencer. Avec soleil qui tournait. Levé, petit bon Dieu rassemblé. Papa, ou bon nous yon la journée. Vini, dis merci bon Dieu. Grâce à Dieu. Bon Dieu, bain homme nous lumière la grâce, fais-nous rester dans mon trace. Toujours n'est ça où tout n'est pas nous, nous voulons docile dans mes où. Kounia m'a invité nous disposer nous pour nous capables de commencer avec les louanges mariales.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites grandir le Christ en nos cœurs. Ô Notre-Dame, Mère du Sauveur, priez pour nous, secourez-nous, redoublons de confiance en vous. Ô Père et Fils, Esprit Saint, la grande chrétienté unie en votre amour, vous chante Trinité. Faites grandir le Christ en nos cœurs. Ô Notre-Dame, Mère du Sauveur, voici rassemblés pour vous chanter au Père. Pour le Christ, vos enfants font passer leurs prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous prions avec vous, ô Vierge Notre-Dame. Donne-nous l'Esprit Saint, renouvelez nos âmes. Vous êtes toute belle, ô Vierge Immaculée, et depuis toujours, Dieu vous a aimée. Avec respect, avec amour, nous vous saluons, Marie pleine de grâce. Salut Vierge Marie, ô vous pleine de grâce, vous êtes toute belle et rien ne vous surpasse. Dès le lointain temps où rien n'existe encore, votre nom resplendit, brillant comme une aurore. Car Dieu, depuis toujours, vous porte en sa pensée à devenir sa mère. Il vous a destiné. De l'univers entier et de la race humaine, le Christ sera le chef et vous la souveraine. Puisqu'Ève a sa mission,
n'as pas été fidèle, c'est de vous que naîtra l'humanité nouvelle. Adam s'est révolté contre son Dieu, son Père. Il nous faut un sauveur, vous en serez la mère. Chef d'œuvre du Seigneur, vous serez toutes pures. Aux femmes que la grâce éclaire et transfigure. Salut Vierge Marie, ô vous pleine de grâce, vous êtes toute belle et rien ne vous surpasse. Par le Christ notre chef, l'Église tout entière, unie en votre amour, vous chantons notre Père. Au jour de l'Annonciation, l'ange dit à Marie, vous concevrez un fils que vous appellerez Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Ô Notre-Dame, soyez bénie pour avoir accepté de devenir la mère de Christ, la nôtre. Le Seigneur Tout-Puissant, ô Vierge, est avec vous, et par vous désormais, il demeure avec nous. Ô temps choisi par Dieu, l'archange Gabriel s'incline devant vous, ô messager du ciel. Ne craignez point Marie, en votre chaste sein, vous concevrez un fils, un Dieu le Saint des saints. La vertu de l'Esprit vous enveloppera, et l'œuvre du temps en vous s'accomplira. Car avez-vous dit, servante du Seigneur, le Verbe s'est fait chair, nous avons un sauveur. En cet instant béni, vous avez accepté d'enfanter dans le Christ toute l'humanité. Du Christ et des chrétiens, vous êtes la maman. Ils sont enracinés au même sol vivant. Le Seigneur Tout-Puissant, ô Vierge, notre chef, la grande chrétienté, unie en votre amour, vous chantons Trinité. À Bethléem, Marie mit au monde Jésus et le déposa dans une crèche. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, vous qui avez porté et nourrit le Fils de Dieu.
vous serez à jamais bénie entre les femmes, car Jésus, votre enfant, est fils du Dieu béni. Appelez-vous ô Vierge Notre-Dame, la crèche dans l'étable et l'enfant qui sourit. Entre vos bras, Jésus, découvre la tendresse étendu sur la paille, il apprendra à souffrir. Les mages et les bergers apportent leur richesse, et celui qui n'a rien saura les enrichir. Faisant vous-même un dernier offertoire, vous monterez au temple offrir le Christ à Dieu. Longtemps à Nazareth, comment un beau ciboire, Jésus vous obéit, mais il vit en votre âme, et par un saint amour, Joseph vous est uni. Vous serez à jamais béni entre les femmes, Jésus, votre enfant, est fils du Dieu béni. Par le Christ notre chef, l'Église tout entière, unie en votre amour, vous chante aux Trinités. Au pied de la croix, Marie était debout auprès du Rédempteur. Souvenez-vous, ô Vierge, des souffrances qu'ont coûtées à votre Fils et à vous tous les pécheurs que nous sommes. Sainte Mère de Dieu, le glaive des douleurs a transpercé votre âme aux côtés du Sauveur. Il fallait que le Christ mourût pour nous sauver, et que son sang divin coula pour nous laver. Le grain qu'on a semé ne germe que s'il meurt. Jésus meurt sur la croix, et vous dans votre cœur. Debout près de la croix, comme un prêtre à l'autel, vous offrez votre Fils pour apaiser le ciel. La passion du Sauveur se percute en vous, en souffrant avec lui, vous expiez pour nous. Votre Fils à Saint-Jean, pour mère vous léguait, mais en le désignant, c'est à nous qu'il pensait. Dès l'annonce
ceux du ciel, nous étions vos enfants, mais nous le devenions encore par testament. Sainte Mère de Dieu, le glaive des douleurs a transpercé votre âme aux côtés du Sauveur. Par le Christ notre chef, l'Église tout entière, unie en votre amour, nous chantons Trinité. Au jour de la Pentecôte, en attendant la venue de l'Esprit, les apôtres réunis au cénacle dans la prière avec Marie, Mère de Jésus, à travers tous les âges, ô Notre-Dame, continuez à prier pour l'Église du Christ. Daignez prier pour nous, car nous sommes pécheurs. Soyez notre avocat auprès du Dieu Sauveur. Daignez comme mon cénacle implorer l'Esprit Saint, que sa grâce descende en nos cœurs par vos de gloire au ciel près de Jésus. Il vous faut sur la terre enfanter votre élu. Votre cœur est à tous, chacun l'a tout entier. Le dernier des pécheurs peut toujours vous. Bénissez les foyers, les époux, les mamans. Bénissez les petits, les vieillards, les mourants. Soulagez le malade, assistez l'orphelin, donnez à l'indigent de l'espoir et du pain. À l'instant de la mort, ô Mère, assistez-nous dans la gloire de Dieu. Prenez-nous avec vous. Daignez prier pour nous, car nous sommes pécheurs, soyez notre avocat auprès du Dieu Sauveur. Père, Fils, Esprit Saint, toute la chrétienté unie en votre amour, vous chantons Trinité. Mes sœurs et frères, louons la Vierge Marie car elle est mère du Fils de Dieu. Aimons-la d'un cœur filial car elle est mère, notre mère. Imitons-la car elle est belle, pure et tout entière au service du Seigneur. Par-dessus tout, glorifions la Sainte Trinité qui nous a donné Marie et vers qui par le Christ il nous faut élever nos cœurs. Dieu soit loué. Salut, divine Mère, et toi, le dans les yeux, soyez notre lumière, ô Vierge, ô cœur très pur.
Soyez notre lumière, ô Vierge, ô cœur très pur. Ô chaque jour qui passe, semez la sainteté. Donnez-nous cette grâce, ô Dieu. Offrez notre prière à votre divin fils. Offrez notre prière à votre divin fils. Louange à Dieu. Au ciel et sur la terre, honneur à Dieu sans fin. Au ciel et sur la terre, honneur à Dieu sans fin. Mère du Christ et mère de la grande famille humaine, nous vous saluons, Marie, pleine de grâce, vous si proche de Dieu et si près de nous. Nous venons chanter les merveilles que Dieu a accomplies en votre sein virginal. Et vous, ô Mère, priez pour nous, toujours pécheurs, maintenant et à cette heure où nous devons paraître devant le Père. Mon cœur ne contient plus la joie qui l'envahit pour le salut qui vient. Seigneur, soyez béni. Quittez-je donc, Seigneur, pour vous pencher vers moi, sinon votre combien je suis heureuse et riche de vos dons. Seigneur, soyez béni par votre bras puissant. En moi vient accomplir un mystère très grand. Dieu, vous êtes bon et vous saurez bénir d'âge en âge tous ceux qui veulent vous servir. Le cœur humble et soumis appelle vos bontés, l'orgueil loin de vous. Les puissants d'ici-bas par vous sont détournés, et le humble par vous toujours sont relevés. Le cœur au grand désir sera comblé. Peuple choisi,
tes mains depuis toujours, mais il met aujourd'hui le comble à son amour. Il tiendra les serments qu'il fit à nos aïeux. Nous serons à jamais les héritiers de Dieu. Père, Fils, Esprit Saint, toute la chrétienté unie en votre amour vous chante aux trinités. Ô Dieu tout-puissant et très bon, votre Fils unique s'est fait homme pour que les hommes deviennent les fils de Dieu. Puisque vous avez voulu cette double merveille s'accomplit par Marie, faites, nous vous en supplions, que vénérant son titre de Mère de Dieu, nous ayons envers elle la plus filiale de confiance et que nous obtenions d'elle le plus grand bien qui puisse enrichir notre cœur, la vie du Christ. Nous vous le demandons par le Christ Jésus. Amen. Louons le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Et jusqu'à son cœur, que notre humble prière s'élève avec sérénité. Que Dieu soit loué, que sa gloire sa bonté largement nous bénisse et nous conserve en l'unité. Pensons en terminant à ceux d'entre nos frères que Dieu a rappelés à lui. Seigneur, faites-les entrer dans votre joie et votre paix. Salve Regina, Mater Misericordiae, Veta Dulcedo, Et Spes Nostra Salve, Ante Clamamus, Exules Filii. Suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimam vale. Ea ergo, advocata nostra, eius tuos, miséricordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, posse exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin
soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Dieu, notre refuge et notre force, regarde favorablement ton peuple qui crie vers toi. Et par l'intercession de la glorieuse Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, écoute avec miséricorde les prières que nous t'adressons par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Frère Maxime, depuis plusieurs années, chaque mois de mai toujours consacré comme d'habitude à maman nous, la très sainte Vierge Marie. Mois de mai 2024, ça qui peut arriver à, il est spécial pour peuple haïtien. Parce que pays a fini crasé, violence et division finit avec nous. C'est pour être ça, plus que jamais, pendant mois de mai ça, nous prenons la guenou net nommé Maman Marie. Pendant 30 jours ça, nous mettons Maman Marie dans tout petit détail la vie nous. C'est un mois de mai spécial dans un pays spécial. Mais comme mon programme n'a pas pied, louange mariale, la messe, matinée de prière à la Vierge Marie, adoration et prière pour les malades, soirée de prière en l'honneur de la Vierge Marie. Pas oublier, en un mémoire de Messa, sorti 13 pour...